troisième journée du championnat avec la réception de Valence Roman. Dès les premières minutes de jeu, Gonzalez ouvre le score grâce à une bonne passe de Grelet. Luçon prend un coup de jeune avec la présence des jeunes sud-africains Erasmus et Vizari et des jeunes du cru Grelet et JB Manvi. L'équipe bénéficie d'un turnover important, ce qui permet d'avoir des joueurs frais, capables de marquer à la 5e comme à la 77e. Ça joue juste, vite, les passes sont précises, tous les secteurs du jeu sont efficaces, Luçon se libère, se fait plaisir et ça se voit. Le spectacle est au rendez-vous, avec 6 essais à 1. Le public est conquis de voir son équipe retrouver de l'envie, de l'efficacité et de la confiance, avec un jeu totalement porté vers l'avant. Certains ont connu vraiment le tout début du club. Moi, j'ai commencé le rugby à Luçon à l'âge de 6 ans. Et franchement, c'est une motivation de se dire, parce que quand on était petit, on regardait les grands jouer, on se disait, est-ce qu'un jour j'arriverai à jouer sur ce terrain? Est-ce que c'est moi qui ferai les beaux jours de Luçon? En arrivant, j'avais vraiment une très très bonne sensation et plus ça va, plus j'ai l'impression d'être avec eux depuis des années. Donc ça se passe hyper bien. C'est un groupe, c'est vraiment très très agréable de travailler avec ce staff et avec ces joueurs, bien entendu. Donc que du positif. Il n'y a jamais quelqu'un qui fait tout seul. Je veux dire, moi ce que j'ai apporté, c'est que j'avais payé mes gens, stop. Après, c'est de travailler avec les gens, de prendre du plaisir à travailler avec les gens et que les gens aient du plaisir à travailler avec moi. Voilà, après, il n'y a absolument pas de miracle. Moi, j'ai l'objectif, on verra à la fin de la saison comment c'est. Si on est tous heureux, ce que je souhaite, voilà, c'est tout ce que je souhaite, c'est être très heureux à la fin de saison. Après, là où je suis heureux aussi aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose de très important, c'est qu'il y a un jeune qui est depuis l'âge de 5 ans est au club, qui a fait un super match en équipe 1, le petit à l'honneur, 20 ans. Et ça, c'est des moments uniques. Il faut le féliciter. Par contre, il faut lui dire que maintenant que ça devient difficile. La grosse satisfaction, c'est le travail que fait le staff. C'est vraiment un staff hyper intéressant, qui est jeune, qui est très dynamique, qui est bosseur. Et comme je vous dis, j'ai l'impression d'être depuis très longtemps avec eux. Donc c'est que du plaisir. Après, il faut gagner les matchs. Voilà, tout simplement, il faut gagner les matchs. Voilà. Mais on est solide. Le staff est solide, donc c'est bien. Une fin de match avec sourire et chant pour célébrer l'anniversaire du capitaine sous le signe de la victoire.